comment ça va? Évite-moi. Tu sais très bien que je ne t'aime pas. Mets-toi bien de tes affaires. Onochi, tu es mon frère. Je ne suis pas ton frère. Je n'ai qu'un seul frère. Prince Okezie. Je ne te prends pas pour mon frère biologique. Pour moi, tu n'es qu'une rivière. Comme je l'ai dit, évite-moi. Lolo, peux-tu m'accompagner pour aller rendre visite à une amie? Et tant que qui? Si les deux servantes qui t'ont été assignées par le roi ne suffisent pas pour te suivre où tu veux aller, pourquoi tu n'appelles pas ton mari, le roi? Je suis certaine qu'il va te rajouter d'autres gardes et les servantes. En fait, il peut demander à tous ceux qui sont dans ce palais de t'accompagner où tu veux aller. Imbécile. T'as pas de sens. Lolo, je ne suis pas en train de parler des servantes. J'ai juste besoin de sortir avec ma co-épouse comme des amis et pas de servantes. Nous ne sommes pas des amis. Nous ne serons jamais des amis. Nous sommes des ennemis jurés pour toute la vie. Quoi? Mais pourquoi? C'est parce que tu as volé ma destinée. Tu as volé ma vie. Tu as volé tout ce que j'avais hérité de précieux. Voleuse de destinée, pétasse que tu es. N'importe quoi. Ma princesse. Eminike. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ma princesse, ne sois pas énervée. Je veux avoir une discussion privée tête à tête avec toi. Donc, si ça ne te dérange pas, on peut aller de l'autre côté parce que quelqu'un... Tu vois, je ne veux pas qu'il ait nous... Tu vois? Eminike. Hein? Est-ce que tu es un avec ta tête? Quoi? Je veux dire, as-tu oublié que tu t'adresses à la princesse de ce royaume? As-tu oublié? Toutefois, dis-moi ce que tu veux dire, ici et maintenant même. Bien, ma princesse, c'est bien. Ok, puisque tu n'aimes pas la confidentialité, je peux alors le rendre public. Vas-y, parle! C'est bien. Ma princesse, ne sois pas énervée. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Au fait, promets-moi que tu ne seras pas fâchée. N'importe quoi. Eminike, hein? J'ai dit, dis tout ce que tu as à me dire. Dépêche-toi, vite. Ok, c'est bien. Oh, Chineke. Bien, ma princesse, s'il te plaît. Est-ce que tu as un mari spirituel? Es-tu stupide? Eminike, es-tu malade? C'est quel genre de question bête, hein? Maman, princesse, doucement, ce n'est pas une question d'hurler. Tu vois, pourquoi aucun homme ne frappe à ta porte, bien que tu sois une princesse? Tu es vraiment un fou. Le Nuyam Festival de cette année sera très spécial. Savez-vous pourquoi? Votre Majesté,
Vous ne nous avez rien dit. Oh, ce même jour-là, je vais célébrer mes 68 ans d'anniversaire. Oh, c'est une excellente nouvelle. Oui. Quelle coïncidence. Donc, c'est votre 60e festival du Nouvel Igname que vous allez assister? Oh, bien sûr. Exactement. Et je voudrais y participer encore plus. Ouais. Ici. Et pour cela, je voudrais que sa célébration soit grandiose. Alors, dites à l'annonceur de passer le message partout. Et même au-delà des frontières des Arrondissements, qu'il invite tout le monde à venir ici. Car il y en aura assez pour manger et boire pour que nous puissions nous réjouir. Ici. Que tes jours soient longs. Ça, c'est une bonne nouvelle, Igwe. Tout le monde est invité. Oh oui. Ça sera fait, Votre Majesté. Ma princesse, calme-toi. Tu dois te calmer. Ce n'est pas une question d'hurler et méniquer. Non. Ce n'est pas une question d'hurler. Et pourquoi je dis ceci? Parce que très bientôt, la ménopause frappera à ta porte. Hein? Ok, je vais te poser cette question. Que diras-tu à tes ancêtres quand tu les auras finalement joints sans avoir aucun enfant qui est tien? Je vois vraiment que tu es un fou. Eminike, laisse-moi te dire ceci. N'oublie pas que tu es en train de t'adresser à la princesse de ce royaume. Celui qui se tient debout ici, celui qui te parle maintenant, est le chef de la garde de ce royaume, pas le chef de la garde du palais. Le chef de la garde du royaume entier. Et maintenant, écoute-moi très bien, Eminike. Si tu ne présentes pas des excuses que je mérite ici, dans ce palais, je te promets... Je vais m'organiser qu'on te chasse. Va, t'assois quelque part. Et écoute-moi, Adanaya. Si je ne reçois pas l'attention que je mérite en tant que le chef de la garde de cette communauté, j'organiserai ton kidnapping. C'est très simple. Tu dois être qu'est-ce que tu peux faire? Eminike, tu es un fou. C'est quoi ça? C'est quoi ça maintenant? Hein? Pourquoi les gens n'aiment pas écouter la vérité? C'est quoi juste? Mon ami, va te trouver un mari. On verra alors. Je le ferai éminiquer et on verra très bien. Arrête de te coller à moi. Pourquoi tu te colles à moi? Es-tu une malade? Princesse sous mes pieds. Un rat ordinaire. Donc si j'avais fait mention de du serpent, tu aurais laissé mon écriture écrit sur ton papier. Regarde-moi ça, idiote. N'importe quoi. Donc tu pensais que tu pourrais t'en aller comme ça? Va-t'en, idiote. Regardez-moi ça là. Il me déteste. Pourquoi est-ce qu'il vous déteste? Il a l'impression que je le prive de la possibilité d'être le prochain roi de ce royaume. Mais mon prince, ce n'est pas du tout votre problème. Je veux dire, c'est ce que les dieux ont déjà planifié. Exactement. Mais il a refusé de reconnaître cela. Mon prince, pour être honnête avec toi, je t'aime beaucoup. Malheureusement, cet amour n'a pas de sens. Nous ne sommes pas de la même classe, et tu le sais. Goma, cet amour ne manque pas de sens. Je t'aime. Et si tu m'aimes comme tu le prétends, accepte ma proposition. Je te promets que je te protégerai contre tout. Je serai là pour te défendre, Ugoma. Mais mon prince, tu es de la royauté. Et je ne suis qu'une servante, une esclave dans le palais. Mon prince, tu ne le vois donc pas? Tu es un être humain. S'il te plaît, laisse-moi prendre soin de toi. S'il te plaît, accepte-moi, Ugoma. Mon prince, vous devez faire beaucoup attention.
En tout cas, beaucoup attention. Pourquoi? Tu crois qu'il pourrait vouloir me tuer? Mon prince, seule une personne jalouse peut faire ce genre de choses. Non, non, je veux dire, je sais qu'il est méchant. Mais il ne peut pas aller jusqu'à ce point, non. Non, je ne le pense pas. Oui, mon prince, vous devez faire beaucoup, beaucoup attention. Vous savez bien combien est-ce que je vous aime, alors je ne veux pas vous perdre. Écoute, je ne veux pas vous perdre. Tu ne vas pas me perdre. D'accord? Ça va aller. Êtes-vous sûr? Maman, tu m'as appelé? Bien sûr que oui, prends place. Ta sœur m'a dit que tu as vu derrière la maison avec une servante. Qu'est-ce que tu faisais avec elle? Bien, c'est mon ami. On était en train de discuter. Quoi? Oh, Kézier. Maman? Est-ce que tu réalises la personne que tu es? Une royauté. Sais-tu que tu es un prince? Elle n'est plus ce qu'elle était. Elle commence à nous éviter, mes enfants et moi. Elle nous considère maintenant comme des obstacles. Vraiment? Oui. Alors pourquoi ça te dérange à ce point? Laisse-moi te demander, est-ce que c'est elle qui te nourrit et les enfants? C'est elle qui t'habille? Non, votre majesté. Tout ce que je veux, c'est entretenir une très bonne relation avec ma co-épouse. Nous devons être unis dans le palais. Puisqu'elle n'en a pas besoin, alors pourquoi continuer à jouer à la folle? Ne sais-tu pas aller à la rencontre de princesses? Ou encore aux filles des gouverneurs, des magistrats, des docteurs? Maman! Maman, s'il te plaît, je suis désolé de te couper la parole, mais tu as déjà assez parlé. Maman! Maman! En me citant le genre de personnes dont je dois fréquenter les filles, ce n'est pas du tout m'aider. C'est pas juste. Maman, c'est pas juste. Maman, je suis désolé de le dire, mais ton père n'appartenait à aucune de ces classes. Il n'en faisait pas partie quand mon père avait payé ta dot. Ok, Zier. Maman. Qu'est-ce que tu viens de dire? La vérité, maman. Maman, puisque tu ne parles pas, puis-je partir? Merci. Tu m'aurais dit que c'est ce que tu voulais. Je peux toujours engager une femme qui pourrait te tenir compagnie à tout moment que tu voudras. Voilà donc. Non, votre majesté. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la femme à laquelle je partage le même mari? Ne sommes-nous pas censés faire cela? Je t'en avais déjà parlé et je ne vais plus le répéter. Je marche avec une philosophie dans la vie. Je n'aime pas quiconque me hait. Mes femmes, je pourrais te promettre une chose maintenant et tout de suite. Ton fils Ikena me succédera. Et rien ne pourra changer cela. Tu as ma parole pour ça. Merci, mon roi. Tu es le meilleur. Très bien. Va me faire un peu de thé. D'accord. Merci. Mon amour. Ouais. Tu ne peux pas croiser les bras et regarder une autre personne et ravir ce qui est à toi. Tu as dit ce qui est à moi. N'est-ce pas réellement à moi? Parce que même la tradition le dit que le premier fils du roi est bien l'héritier du trône.
Exact. Tu sais très bien que je ne suis pas l'aîné. Je le hais parce qu'il est même le fils aîné. Il a bien toutes les chances de devenir le prochain roi de ce royaume. De quelle tradition insensée que tu parles? C'est les hommes qui l'ont initié. Ce sont eux-mêmes qui peuvent changer cette mentalité. On est héritier du trône par alliance de mariage et non parce qu'on a une meilleure position. Non, c'est pas vrai. Royal Outcast. J'ai réalisé que les bonnes choses dans la vie ne viennent pas facilement. Toute chose a un prix à payer. Je t'ai donné le nom de Ogotie depuis ta naissance parce que j'ai su que tu allais avoir une grande destinée. Ce sont les hommes qui ont fait la tradition. Ces mêmes hommes peuvent l'amender. Mon fils, tu as toujours la chance de devenir le prochain roi du royaume de Oumuese. Fais les plus importants pour toi en prenant la situation en charge. Tu en as les capacités. Ne baisse pas les bras, Biko. Ce n'est pas en vouloir à qui que ce soit. Deviens l'homme que tu dois être. Sois un homme. Tu crois que je suis qualifié pour ça? Il n'est pas question de réfléchir, je sais. Chérie, tu es né pour succéder ton père. Seuls les violents s'en emparent de force. C'est ça l'esprit. Tu es un lion. Tu y arriveras. La royauté te convient. Les hommes de destinée ne croisent pas le bras, mais ils combattent pour atteindre leur objectif. Lève-toi et lutte pour ce qui t'appartient. Merci, mon amour. Allez, viens là, viens là, allez, viens. Tu sais que je t'aime. La femme, ma va princesse. Voir qui est devant le portail. Ok, ma princesse. Oh, mais regardez qui ma est là. Ma princesse. Oh. Ma beauté, mais comment tu vas? Je vais très bien, ma princesse. Et toi, comment vas-tu? Hein? Eh ben, comme tu peux le voir, je vais très bien. Je peux bien le voir. Est-ce que Okena est là? Okena vient de sortir il n'y a pas longtemps. Mais ne va pas traîner. Bon, t'inquiète, c'est toi que je suis venue voir aujourd'hui. T'es venue me voir? Oh, désolée, viens t'asseoir. J'ai oublié le mot de d'ailleurs. À propos, tu es bien habillée aujourd'hui. Oui. En tout cas, merci beaucoup, ma princesse. Dorothée? Oui, ma princesse. Apporte-moi une bouteille de vin et deux verres. D'accord. Alors raconte, quel bon vent t'amène? Vous êtes là-bas, si ce n'est pas pour marquer des buts. Ah, Emenike. Hein? Allons-y, comment tu vas?
Es-tu au courant que tu es assise dans une salle royale? Hein? Je suis aussi. Non. Attends. As-tu perdu tes sens? Non, Lottie, je n'ai pas perdu la tête. Je suis avec ma tête. Hein? Je ne suis pas là pour blaguer. Je ne suis pas de bonne humeur. Et s'il arrive seulement que je la perde, hein? Je vais fermer mes yeux. Alors, sors de ici. Sors de ici. Ne le perds pas encore. Non. Hein? Écoute, je suis venu ici pour parler avec toi. Et quand je suis venu, j'ai découvert que c'est libre et je me suis dit que c'est bien. Je vais m'asseoir ici et quand tu arrives, tu vas t'asseoir ici. Et puis, c'est pourquoi je suis là, regardant le match. Ouais. Tu veux venir à mon ça? Ouais, c'est très important. Donc, tu peux te mettre à l'aise, tu peux t'asseoir, soit ici ou bien là-bas. C'est très important. C'est parfait. Mmh. Écoute, vas-y. Pas de problème. Mais laisse pas te dire bien avant. Je te l'ai dit que je ne suis pas dans le meilleur. Alors, je ne suis vraiment pas prêt à écouter de la merde. Si tu oses utiliser tes mots blessants sur moi, tu n'auras que toi pour te blâmer. Pas de problème. Assieds-toi. Alors, mon prince, qu'est-ce qui s'était passé hier? L'avait-elle raconté à la reine? Tu connais ma sœur. Tu sais ce qu'elle est capable de faire. Bien sûr qu'elle lui a dit. Alors, qu'est-ce que la reine a dit? Elle a dit que je suis un prince et je ne peux pas fréquenter une servante. Mon prince, tu vois? Tu vois de quoi je t'ai parlé? Nous appartenons à des mondes différents. Ça ne pourra pas marcher, je te l'ai dit. Ugoma, ne t'inquiète pas à propos de ça. Je t'aime et je lui en avais déjà dit. Je lui avais dit que je t'aime et je ferai tout ce que je pourrai pour te protéger. N'aie pas peur. Je serai là avec toi, ok? Arrête, ne fais pas cette tête. Viens. Écoute-moi, mon ami. Tu es un prince. Il ne veut pas dire que tu es plus sage que moi. Je suis plus âgé que toi. C'est vraiment à moi que tu parles? Donc dis-moi qui d'autre ici avec nous, si ce n'est pas toi et moi. Donc c'est à toi que je m'adresse. Regarde ici, il n'y a plus d'autres personnes ici. C'est toi et moi, donc c'est à toi que je m'adresse. Hein? Mais Nakom... Es-tu au courant que tu... Mon ami, tais-toi! Oh, désolé. Tais-toi. Écoute. Hein, tu es le prince. Ne veux pas dire que tu peux me parler n'importe comment. Écoute, je suis le chef de la garde, pas seulement de ce palais, mais du royaume entier. Donc, tais-toi. Oh, tais-toi. Écoute-moi, mon ami. Tu ne peux pas te battre avec ton frère. Parce que il est le préféré de devenir le roi Mba. Plutôt, fais de lui ton ami. Afin que vous puissiez vous joindre les mains et diriger ce royaume paisiblement. Quand votre père, le roi, aura rejoint ses ancêtres. Oh? Tu comprends ce que je dis? Écoute-moi bien. Le frère de roi est aussi un roi, toi, malade. Si je t'entends encore, tais-toi. Si j'entends encore ta voix, si tu essaies ça à nouveau, je vais t'arracher les deux yeux et te donner au vautour. Non mais es-tu devenu fou? Non mais franchement, tu réalises à qui tu es en train de parler? Non. Tu réalises que tu parles à Onoji? Désolé mon prince. Le prince couronné de ce royaume, l'héritier même du trône. Idiot. Si je t'entends parler,
je vais te tuer. Et écoute, tu sais très bien que je peux te tuer là tout de suite, te jeter à la poubelle sans que personne ne sache. Espèce d'idiot. Stupide. Et surveille-les. Ce n'est que... Vient-il de me gifler? Ou bien c'est un coup? Ça ne ressemble même pas à une gifle. Non, c'est pas seulement de la gifle, non, c'est des gifles, coups, gifles. Oh, Dieu, je ne te blâme pas. C'est mon père inutile que je blâme. Ce vaut rien comme père, qui ne m'a rien laissé comme héritage. S'il l'avait fait, serais-je ici en tant que garde? Serais-je ici en tant que garde? Et vous aurez l'opportunité de me gifler, donner des coups, gifler, donner des coups. Ma princesse, j'ai peur. Je suis confuse. En effet, je n'ai même plus la joie en moi. Tu sais combien j'aime le prince Okena. Je l'aime tellement que je ne voudrais même pas du tout le perdre. Mais récemment, je l'ai vu avoir un peu peur à propos de ces choses. Écoute, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu ne dois pas le perdre, ok? Okena est exactement comme ma mère. Ça fait très longtemps que j'essaie de faire voir à ces deux-là la vérité qui se pointe devant leur nez, mais ils refusent de le voir. Mais tu sais quoi? Tu dois te calmer. Détends-toi, tout ira bien. Je vais causer avec lui à son retour, ok? Tu vas le faire? Bien sûr que je le ferai. Merci beaucoup, ma princesse. Je vais vraiment beaucoup apprécier. Tu n'as pas besoin de me remercier. Ce que je veux, mais c'est que tu prennes ta boisson. Tu sais, ma princesse, ces gens sont très mauvais. Ils sont très méchants. Tu sais, à chaque fois que je les regarde, je ne vois que la méchanceté. Ma princesse, ces gens peuvent bien tuer. Je suis vraiment sûre à propos. Ils peuvent. Eh ben, voyons voir la fin de ces voyages. Allez, vas-y, prends ta boisson. Allez, fais-moi un sourire sur ces beaux visages. Hey, viens ici. Désolé, monsieur. Qu'est-ce que tu as dit? Pardon, monsieur. Tu es désolé, monsieur? Que fais-tu ici? Rien du tout. Es-tu malade? Es-tu malade? Quand tu dis pas rien? Non, dis-moi, pourquoi ne ferais-tu rien? Hein? Mon ami, vas-tu quitter ici maintenant? Disparais de ma vue! Hey! Idiot! Mieux! Ça, c'est de l'hiérarchie. Parce que cet idiot-là qui se fait appeler prince pense qu'il peut me gifler juste parce qu'il est prince. Il avait déposé une gifle, et je l'ai transférée à cet idiot.
Reviens ici. Tu es où? Reviens. Tuer quelqu'un n'est pas un crime. Quand tu tues quelqu'un pour une bonne raison, le gouvernement va te pardonner. Les gens qui sont là et tous ceux qui attendront cela vont te pardonner. Mais quand tu tues quelqu'un pour une raison non fondée qui ne mérite pas à ôter la vie humaine, ma chère, ça sera considéré comme un grand crime et tu ne seras jamais pardonné. Au fait, tu risques de finir en prison ou être tué également. Oui. Ok. Et personne n'en parle. Oui. Ma reine, as-tu fini? Oui, je m'en vais. J'ai des choses à faire à la maison. Tu as passé le message? Oui, bien sûr. Très bien, merci. Il n'y a pas de problème. Bonne route. Le plaisir est partagé. Ma princesse, au d'accord, revoir. Merci, ma chère. Bye. Une salutation à ta famille. Oui, merci. Elle est vraiment très intéressante, maman. Franchement, elle est très intelligente. Je te jure, elle va très bien avec notre famille. Tu peux le dire encore. Ta mère est sage et très belle. Tu sais ce que c'est mourir? Oui, ma reine. Et tu n'as pas peur de ça? Non, j'en ai peur. Tu veux perdre ton job avec tous les avantages qu'il y a dans ce palais? Non, ma reine. C'est ça qui sera ton sort. Si tu ne restes pas loin de mon fils. Disparais. Regarde-la. Père, je veux être le prince couronné de ce royaume. Onuche, mon fils, tu ne cesseras jamais de me faire rigoler. Si j'ai une bonne mémoire, je fais un très bon boulot pour t'élever comme un jeune homme que tu es devenu aujourd'hui. S'il te plaît, ne me fais pas croire que tous ces efforts que j'ai fournis n'ont servi à rien du tout. Je sais que je t'ai appris, toi et tes frères, de manière profonde. La tradition de notre terre, je vous avais très bien enseigné, sachant très bien que peut-être dans l'avenir comme aujourd'hui, vous en auriez besoin. S'il te plaît, ne me dis pas que tu n'avais rien retenu par rapport à toutes ces séances. Père, j'ai appris. Très bien. Et je suis même allé au-delà de tout ce que tu m'as enseigné ainsi que ma sémence. Par mes recherches, j'ai découvert que toutes ces traditions ont été établies par des humains. Génial! Mais sous l'inspiration de Dieu. Et je pense que c'est ce que tu as oublié de dire. Et dis-moi, père, es-tu prêt à le jurer? C'est bien possible que tu sois plus sage que tous ces gens qui ont établi ces traditions. Et tu penses que tu es tellement sage jusqu'à tel point que tu veux la modifier? Oh non, tiens. Père, c'est vraiment évident que tu me détestes. Il n'y a rien que je ne puisse faire pour te plaire, te faire changer d'avis pour faire de moi le prince. Mais il y a une chose que je veux te promettre, père. Avec ou sans toi, moi, prince Onuchi, porterai cette couronne. Si tu oses bouger, même d'une semelle, je ferai en sorte que le reste de tes jours soit misérable. Ça sera tellement misérable que ce qui va t'arriver
ferait mieux être imaginé que discuté. Ose bouger. Tu as peut-être oublié que je suis le roi. J'ai convoqué cette réunion parce que j'avais une chose très importante à vous dire. Vous êtes sans ignorer que nous, je voulais dire entre notre famille et la leur, le courant ne passe pas bien. Je suis très fan d'un adage qui dit « Celle ou celui qui veut dîner avec le démon, il doit utiliser une très, très longue cuillère. » Ce que je sais de dire est que nous devons éviter ces gens, ils ne sont pas bons. Si nous tenons vraiment à nos vies, tu as raison ma princesse. Mais jusqu'à quand allons-nous continuer à vivre ainsi? N'est-ce pas qu'il est préférable de vivre dans la paix et l'harmonie? Sinon, personne ne sera à l'abri. Exactement, exactement, de même que moi aussi, parce que si nous commençons à leur répondre par la haine maintenant, cela leur mettra mal à l'aise. Et qui sait, ils pourraient commencer à comploter quelque chose contre nous. Ces plans ne vont marcher que si on se laisse faire. Ugo, Ugo, écoute, personne ne nous voit, c'est seulement toi et moi. Et Ménique, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Je vais te parler. À quel sujet? À propos de mon amour pour toi. Écoute, Ugo, je t'aime. Je peux te demander une faveur? Hey, demande-moi tout ce que tu veux et je le ferai. Je te dis, si tu fais seulement, je le ferai. S'il te plaît, faisons comme si on n'a jamais eu cette conversation. Bêtise. Bien sûr, nous sommes en train d'avoir la conversation. Bien, je n'ai rien entendu. Hein? Viens m'excuser. Mais, écoutez, écoute, on peut le faire. Attends, seulement un bisou. Eminike, mais qu'est-ce qu'il y a? L'amour. C'est du fond de mon cœur. Essayes-tu d'ignorer ma relation avec le prince Okezie? Dis-moi. Non, fais-moi comprendre. Est-ce que c'est la relation sérieuse? Hein? Tu peux l'appeler comme bon te semble, ça m'est égal. La vérité est qu'il ne se passera rien. Rien ne se passera entre nous, donc arrête de me déranger. Qui l'a dit? C'est moi qui l'ai dit. Et je serai très ravie si tu le mets en pratique. Parce que la prochaine fois que tu me stopperas pour me raconter ce genre de bêtises, tu ne me laisseras pas d'autre choix que celui d'aller les raconter au roi. Foutaise. Je t'aime, amour mon œil. Regardez la main. C'est à moi, c'est à moi que tu parlais, c'est grammaire. Moi, Ménique, que Dieu te punisse. Regardez-moi cette idiote à qui j'ai menti. Parce que j'ai menti à cette imbécile qu'elle est belle. Alors sa tête a commencé par se lever et son corps se... Qui est belle? Regardez ce fantôme. Un cinquième, la banane. Corps! Parce que je t'ai menti, que je t'aime. Je n'ai même aucun sentiment pour toi. Car, c'est moi que tu as chanté cette bêtise. Pas de problème. Je te reviendrai. Je te reviendrai, moi, Eumenique, le PDG de ce palais. Ugoma. Ugo. Mère, peux-tu imaginer? Il m'a regardé dans les yeux. Et m'a dit que je... ne deviendrai jamais le roi de ce royaume. Malheureusement, ce n'est pas lui qui revient le dernier mot. Parfait. Nous avons de faiseurs de rois dans cette communauté. Mon fils, va les rencontrer. Parle avec eux, donne-leur des raisons valables pour toi et ton héritier du trône. Si tu arrives à convaincre deux d'entre ces quatre faiseurs de rois, tu seras le prochain à être couronné. Je te remercie, mon Dieu, de m'avoir donné une aussi brillante, magnifique femme comme mère. J'aime ça. Mais...
la plus belle des femmes dans ce monde. Merci. Et en ce qui te concerne, tu es Onoche, vice et nom. D'accord? Merci, mère. N'aie pas peur. Tout va bien. Merci. Merci, mère. Je veux dire, comment peux-tu te battre avec ta mère à cause d'une esclave? As-tu oublié que tu es un prince? Ça ne me dit rien, ça. Royauté ou esclave, nous sommes tous humains. Et nous avons une chose en commun. Sais-tu ce que c'est? La mort. Nous allons tous mourir et cela nous rend égaux. Toi et maman ne devraient pas nier le destin de la pauvre. Maman ne venait pas d'une famille riche. Mais mon père avait payé sa dot. Aujourd'hui, elle occupe la position de la reine mère dans ces grands royaumes. Peux-tu arrêter de penser comme un fou et réfléchir? Non, mais tu dois bien agir. Garde ces biens pour toi. J'en ai pas besoin. Tu ferais mieux de penser à propos. Non! Arrête! Ma princesse. Oui? Ce garçon est un idiot! Ce garçon! Ok, alors, tu sais quoi est-ce que je voulais? Tu es très belle. Comme ça, vas-y. Ouais, écoute-moi, c'est ce qui va se passer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Es-tu sérieux? Ouais. Cette pastèque est bien juteuse. Ok. Que moi aussi je fasse quelque chose de différent. Ok. Allez. Hein? Allez, prends. Ah. Je te les donne. Mange. Je mourrai. Pour moi, j'ai décidé de faire une chose différente. C'est pourquoi j'ai fait sortir de mon amour.
moi. Demeurer pour toi. Que tu es la personne la plus drôle que je n'ai jamais croisée. Je sais, mais tout pour toi. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Waouh! Chai, je suis reconnaissant. Je suis très... Non, allez, Emelike, arrête! Tu sais quoi, ma princesse? Quoi? Je veux que tu me donnes ce baiser passionnant. Oh. Dans le macabre, tu l'as toujours fait. Je veux juste me sentir, tu vois, comme si j'étais au ciel. Ok, tu sais quoi? Ferme tes yeux. Oui. Je t'ai demandé de fermer les yeux, Emelike. Emelike. Oh, c'est qui l'idiot là? Lolo veut te voir. Toi et Lolo là être des idiots. Hein? C'est quoi sa bêtise maintenant? Qu'est-ce qu'elle veut me dire au point qu'elle ne pouvait pas attendre jusqu'à ce que je finisse ce que je faisais dans l'autre monde? Hein? Dis-moi, pourquoi me demande-t-elle? Au fait, je ne sais pas. Tout ce qu'elle veut, c'est que tu viennes immédiatement. Quitte ici. Quitte-moi maintenant, même idiot. Tu es encore idiot. Je ne sais pas comment le serais-tu quand tu as perdu ton intelligence, idiot. Votre Majesté, en effet, le festival de cette année était remarquable. C'était pour moi le meilleur. Je suis très content parce que nous avons réussi à les réaliser à mon goût. Et surtout le fait que mon nom sera gravé dans l'histoire du royaume d'Aromonesi. Parce que je suis le seul et l'unique roi qui a sponsorisé le Nuyam Festival. Singulièrement. Votre Majesté, la loyauté régnera jamais dans ce royaume. C'est... Bien, parlons maintenant des affaires du jour, ok? La raison pour laquelle j'ai convoqué cette réunion. Votre Majesté. Les anciens de Aro Umwenze, je suis venu livrer un message de Dieu. Le temps est venu de donner au véritable prince sa juste valeur, comme le prince légitime de Aro Umwenze. Et ceci doit être conclu le jour ou avant 14 jours du marché à partir d'aujourd'hui. Votre Majesté. Je vais dire, c'est vraiment drôle. Je ne m'attendais même pas à ça. Es-tu sérieuse? Olochi, qui t'a demandé de prendre cette bouteille de vin dans le bar? Ne savais-tu pas que c'est pour mes visiteurs que je veux recevoir demain? Es-tu malade? Hein? Es-tu folle? Bordel, c'est quoi ton problème? Comment as-tu osé me jeter le vin? La prochaine chose que je ferai, c'est prendre cette bouteille et la briser sur cette chose que tu appelles cou. Dégage de ma vue, pauvre idiote! Disparais!
sale macaque. Fils. Père. Je t'ai emmené ici pour te parler de quelque chose de très important. Les dieux nous ont donné 14 jours pour que nous présentions l'héritier du trône et le rendre prince couronné. C'est toi qui es l'héritier apparent du trône. Alors tu dois être prêt. Père. Père, je vais te dire merci pour l'amour que tu nous montres. Je veux dire moi, ma mère et ma sœur. Je te promets que je ne vais pas te décevoir. Ok mon fils. Ne fais pas comme si j'étais partiel. Non, je ne le suis pas. Je ne fais que faire les choses en rapport avec la tradition. Le trône te revient de droit. Et c'est la vérité. Ma princesse, non, non, non! Je ne suis pas d'avis avec toi. Tu t'es vraiment partie très loin. Tu devais la laisser partir avec le vin. Tu dois arrêter ça, non? Alors? Donc je te démontre et après quoi? Tu vois ses comportements. C'est ça l'attitude qu'elle et sa mère affichent à tout moment. Il n'y a que mon frère et ma mère qui peuvent l'avaler. Chez moi, ça ne va pas passer. Ont-elles déjà acheté quoi que ce soit dans cette maison? Si elle avait gardé le vin pour ses invités et que je l'ai prise, et après quoi? Est-ce qu'on est en train de jouer avec ça? Ou soit cela veut dire que ça lui appartient? J'insiste que tu étais parti très loin. Tu devais lui montrer la maturité. Ok, et si alors c'était elle qui avait acheté cette bouteille pour ses visiteurs? Avais-tu pensé à propos? Eh ben, il y avait plusieurs façons d'aborder ces problèmes. Pas de la façon dont elle s'était prise. Si sa mère ne lui avait pas appris des belles approches, je le ferais. Je suis sa grande sœur, alors elle me doit du respect. S'il te plaît, aujourd'hui c'est toi qui es assis là. Tu vois cette petite idiote qui vient juste de partir? Elle allait faire la même chose même si c'était un étranger qui était là. Et cela allait être une très grande honte pour moi. C'est quoi cette foutaise? Elle me doit du respect. Elle ne peut pas débarquer de nulle part et venir prendre la boisson sur la table pendant que je suis en train de boire. C'est quoi ça? Tu sais, je vois que tu as raison. Mais j'insiste en disant que la violence ne résout aucun problème. Merci pour le conseil, mais aujourd'hui je passe. Écoute, une chose de plus. Qu'est-ce que c'est, père? Très confidentiel. Approche. Ça ne doit rester qu'entre toi et moi. Personne n'en sait rien du tout. Pas ta mère, pas tes sœurs, et même pas les gens qui en feront partie. Jusqu'à ce jour-là, je ne veux pas que quelqu'un l'apprenne. Alors garde ça pour toi. D'accord, père. Tu peux compter sur moi. Très bien. Merci. Comment ta stupide de fille peut oser verser une bouteille entière de vin sur le visage de ma fille? Est-elle folle? Hein? Et de qui est-ce que tu es en train de parler? J'espère que tu ne te réfères pas à Dan, à ta fille. Parce qu'il n'y a qu'une stupide mère qui peut élever une fille aussi insensée. Oluchi, maman, s'il te plaît, permets-moi de remonter les bretelles de cette femme. Tu crois que ma mère et moi allons laisser ces palais pour toi? Désolée, ça ne se passera jamais. Tu oses me chuter? N'essaie plus jamais. Dans ta misérable vie, lève ta sale main sur moi. La prochaine fois que tu oseras lever cette main sur moi, ton visage sera méconnaissable. On verra bien. C'est ce que j'attends. Idiote. Folle. Insensée. Juste comme ta mère. De la même manière que tu élèves tes stupides enfants. Oh, Luchi. Maman, s'il te plaît. Arrête. S'il te plaît. Maman. Maman, pitié. Épargne-moi de ça. Je t'en prie.
Emenike? Emenike? Ouais, mon prince. Ouais, mon prince. Va voir le chief Kalou. Dis-lui que je veux le voir dans le palais. Ok, mon prince, est-ce que c'est maintenant ou bien après? Je veux dire, dois-je aller maintenant ou bien... Oui, maintenant. Maintenant. Vas-y. Ok, mon prince, s'il te plaît, ne te fâche pas. Dois-je aller à pied ou bien avec une des voitures? C'est-à-dire les pieds ou une voiture? Tourne bien ta langue. Cette fois, tu auras la réponse. Aïe! Ça, c'est faire l'acrobatique. Aïe! Ok, c'est bien. Dois-je lui dire de venir aujourd'hui ou bien demain? Parce que tais-toi. Si tu me poses encore une question stupide, je vais t'arracher ta tête avec ce truc. Es-tu fou? Dépêche-toi et va délivrer mon message. Oh, mon prince, tu n'étais pas spécifique. Tu m'as juste demandé d'aller lui dire de venir au palais. Alors je dois savoir si c'est aujourd'hui ou bien demain. Va-t'en d'ici. J'ai dit sors tout de suite. Je vais à pied. Alors il me faut un peu de cash, non? Un peu d'argent pour soutenir mes pieds. Tu as compris, non? C'est ça. Un peu. Tu as compris? Donne un peu d'argent, non? Avant d'aller, non? Hein? Tu me demandes seulement d'aller. Ça me donnait un peu d'argent. D'aller à pied. Mais je sais comment conduire. Regarde les voitures. J'ai un permis de conduire. Je sais comment conduire. Hein? Mon prince, est-ce que je suis ton client? Tu ne peux pas me donner une voiture à aller avec? Je sais comment conduire, non? Oh, vraiment, moi, le chef de la garde de tout ce royaume. Ichie Osese, je vous ai invité au palais parce que je voulais avoir une discussion très confidentielle avec vous. Je sais que bientôt, le successeur du roi sera choisi. Et je veux être cette personne. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est possible? Mon prince, il y a déjà des dispositions à suivre et à respecter comme le veut la tradition. Et tu sais que tu n'as aucune chance. Je le sais. C'est vrai. Mon nom est Onuchi. Ce nom m'a été donné depuis ma naissance. Ma mère n'était pas stupide en me donnant ce nom. N'oubliez pas, vous avez beaucoup à bénéficier si je finis par devenir le Igwe. La position de Ono vous sera garantie si vous êtes avec moi. Choisissons enfin le successeur du roi et couronnons-le une fois pour toutes. Même un aveugle n'aura simplement qu'à toucher mon corps pour être d'accord que moi, Onuchi, suis le vrai roi de ce royaume. Pourquoi me regardes-tu? Je t'avais prévenu, mais tu avais refusé de m'écouter. Jusqu'à ce que tu aies trouvé ce que tu cherchais. Maman, qu'importe ce que j'ai trouvé, je vais m'occuper de ça. Si facile de le dire. Maman, pour l'amour du ciel, mais qu'est-ce qui se passe? Tout ce que je fais dans ces palais, c'est pour votre bien, toi et grand frère Okena. Si je m'étais et que je n'agis pas, un bon jour vous allez vous réveiller dans la cuisine en train de travailler comme des cuisiniers. C'est ce que tu veux, maman? Qu'importe la raison que tu avances, ma fille. Tu n'avais pas le droit d'agir ainsi. Elle est une mère. Et la reine mère de ces royaumes, dans ce cas, elle aurait dû y penser avant de m'insulter. Elle aurait dû aussi se dire que j'occupe une place très importante dans ces palais. Celle d'Adeze, d'Alouenze. Elle aurait dû y penser, maman.
salut, mon amour. Attends un instant, Emenike. Est-ce que je t'ai entendu dire, mon amour? Ouais, c'est ça. Nous nous aimons l'un l'autre. Ouais. Hein? N'es-tu pas mon amour? Hein? Emenike, c'est depuis quand que cette bêtise a commencé? Non, ça doit sûrement être une blague, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas un non-sens. Ce n'est pas une blague. Ma princesse, ce sérieux a commencé depuis hier dans mon rêve. Aïe, je te dis, aïe, on était vraiment amoureux. On s'embrassait l'un l'autre, ma princesse. Nous étions tellement amoureux l'un de l'autre, tellement que Mara et Clara étaient jalouses de nous. Je te dis, hey, nous étions sur le point de nous marier avant que cette méchante Lolo. Avant que cette méchante Lolo a envoyé ce soi-disant garde. Il était venu, machin comme ça, comme un imbécile, et nous en a empêché. Cet idiot-là. Je t'ai dit, l'amour était si fort. J'aimerais éclaircir un peu les choses. Tu as dit dans ton rêve. Dans mon rêve. Ma princesse dit la vérité, on est le diable. Tu vas prendre cette pauvreté que tu traînes partout et l'amener très loin d'ici, avant que je ne déverse ma colère sur toi. Je n'ai pas l'intention de répéter ce que je viens de dire. Dégage. Bien, je n'ai pas envie de me répéter. Je dis, sors d'ici. C'est bien, ma princesse, mais laisse-moi te dire que... Ah, ma princesse! Ça doit sûrement être une blague. Père, tu as demandé à me voir. Oui, assieds-toi. Assieds-toi. J'ai appris que tu organises des réunions avec les membres de mon cabinet, demandant qu'ils te soutiennent pour que tu sois les choisis. De ce fait, laisse-moi te dire quelque chose de manière claire. Même si tu arrivais à convaincre les dieux, tu ne me succéderas jamais parce que tu n'as aucune qualité. C'est ce que j'allais te dire. Jamais. Père, pourquoi es-tu si méchant envers moi? Pourquoi? Des fois, tu me fais sentir comme... Tu me traites vraiment presque comme un criminel. Oh... Tu me fais même croire que tu n'es pas mon vrai père. Oh, c'est parce que je ne suis pas tellement sûr que tu es mon fils. Tu vois, tu n'as aucune qualité requise. Même pas une seule. Hein? Maman, mm-hmm. Je pense que j'ai un très bon plan. Comment est-ce que mon frère sera couronné prince et prochain roi de ce royaume? Hey! Tu l'es encore, Achanugo. Maman. Mais... Oui, maman. Alors, dis-moi ton plan. On doit kidnapper Oke Okena. Oui. Maman, t'inquiète. Bien sûr. Hein? Je ne m'attendais pas à voir cette merveilleuse idée. C'est une idée géniale. Oui. Père, mon nom est Onuchi. Ce qui veut dire que depuis ma naissance, j'étais destiné à te succéder. Je
dois porter cette couronne. Un geste de plus qui montre l'ignorance de ta stupidité. Ne permets pas à la stupidité de ta mère d'envahir ton imagination. Qu'on ne te trompe pas. Ta mère t'a donné le nom de Onutien sans mon accord. Je n'étais pas d'accord avec ça. Hein? Mais cela ne veut pas dire que tu vas me succéder. Qu'est-ce que c'est qu'un nom après tout? C'est juste un nom bon à tuer une poupette. Écoute, qu'elle t'ait appelé au nom de Onutien ne te donne pas droit au trône. Mets ça dans ta tête. Maman, je voulais te poser une question. Vas-y. Si on couronnait le prince Okena comme grand prince, y a-t-il une possibilité qu'une autre personne puisse prendre la place de papa si jamais il mourait? Non, ma fille. Aussi longtemps que le grand prince sera en vie, lui seul deviendra le roi. Au moins qu'il meure. C'est à ce moment que le rituel sera fait pour choisir le prochain roi. Dis-moi ce qu'il y a. Pourquoi tu ris comme une idiote? Hein? Comme si quelque chose te démangeait entre l'autre région. Idiot. Je me dérange. Hein? Je me marre de ta stupidité, les grands malades. Oui, tu es un grand fou. N'as-tu pas un miroir dans ta chambre? Oh. Ben, mais je doute vraiment fort que tu t'es mûre. Parce que si tu avais l'habitude de le faire, tu allais voir comment tu as l'air misérable. Waouh, moi, regarde-moi cette fille. Qu'est-ce que tu connais du misérable? Tu es la définition exacte de la misère. Moi? Oh. Ah! Maintenant, je vois que la jalousie a enveloppé ton cerveau. Je te dis, regarde-toi. Oh. Ouais, si tu ne le sais pas, sache-le maintenant que les rêves sont une révélation qui décrit l'avenir. Idiote! Et toi et moi savons très bien que le rêve d'un fou n'en fait pas partie. Et tu es un fou. Attends, qui est un imbécile? Toi, bien sûr. Ah, regarde une imbécile, la plus grande imbécile. Je comprends que ce que je t'ai dit était vraiment insignifiant. La folie ne suffit pas pour toi. C'est quelque chose de plus grand que la folie. Quelque chose de très grand, parce que tu es plus que la folie. Un bouc insensé. Je te regarde seulement et tu vibres. Quelque chose de plus grand. Animal. Cette folie va te tuer. Idiote. Non, je vois que c'est de la jalousie. Ça, c'est la jalousie qui te tuera. Ça va te tuer. Cette jalousie va te tuer. Au fait, laisse-moi te choquer davantage. Laisse-moi te choquer davantage. Dans ce rêve, Ngonjo, tu étais notre servante. C'était toi qui nous as servi la nourriture. Ouais, tu as porté de la nourriture et nous mangions. Au fait, laisse-moi te choquer davantage. Tu nous serviras, tu seras notre servante dans cette vie, idiote. Ouais, je peux le mettre ici afin que tu puisses rire fort. Je peux voir que tes insanités ont vraiment atteint un niveau supérieur. Idiote. Mais attends, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un fou? Va-t'en, tu perds quel temps? Va-t'en d'ici. Fais-moi passer. Laisse-moi passer. On parle. Tu me touches parce que tu veux que je sente quelque chose. Jamais. Il n'y a rien que tu puisses faire pour me susciter. Jamais. Écoute, frérot, ne lève jamais la tête pour cette idiote. T'inquiète, c'est juste une question de temps. Tu le verras et le confirmeras. Idiote.
T'inquiète, calme-toi, calme-toi seulement. Ne lève jamais la tête pour cette idiote. Non, animal, tu me poussais, me touchais afin que je te ressente. Jamais, idiote. Tu n'es pas pour cette imbécile, tu es pour... Mère, puisque je suis sur le point de devenir le roi de ce royaume, je suis maintenant prêt de me salir les mains en tuant mon propre frère. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Olochi, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que c'est? Écoute-moi très bien. Les gens font beaucoup de sacrifices pour avoir le pouvoir. Ok? Le pouvoir, on l'arrache, on ne la donne pas. Onoche, écoute, ça c'est ta dernière opportunité. Tu peux l'avoir. Tu n'as même pas froid aux yeux quand tu le dis. Merci, mère. T'es une disgrâce. Tu es un homme et non une femme. Bien sûr. C'est quoi ça? Comment ta petite soeur peut être plus courageuse que toi? Elle monte de stratégie pour que tu réussisses ton avenir. Elle se démène ça et là pour que tu deviennes un homme. Si je savais, je t'aurais soldé à l'esclavage. J'aurais dit, mais tu es comparable à un bouc. T'es un bouc. À la place de saisir l'opportunité pour que nous avancions dans notre plan, pour savoir comment sera la suite, tu es en train de raconter des histoires, n'importe quoi. Je le savais. Lâche. Tu es incroyable. Mère, tu dois comprendre une chose. Dieu nous a créés différemment. Je remercie Dieu pour lui avoir donné la sagesse de tuer des gens pour mon propre bénéfice. Hein? Merci bien. Prenez soin de vous. Hein? Gros Franouché! Reviens ici! J'ai donné naissance à un raté de fils. Notre dernière soirée est en péril. Maman, on n'a pas à s'inquiéter. Hein? Il va le faire. Comment je peux donner naissance à un père de fils? Mon Dieu, je suis finie. Oh. Maman, s'il te plaît, calme-toi. T'inquiète, hein? Il va le faire. Je prie que ça réussisse. Aïe! Je serai content. Aïe! Hey, viens. Hey, je vais danser. Je peux voir que tu es excité. Super excité. Écoute. Je pense que les dieux ont décidé de bénir mon destin. Bénir ton destin, comment? Avec quoi? Avec la princesse. Chineke. Désolé, quelle princesse si je peux demander? Ah, combien de princesses avons-nous dans ce royaume? La princesse Olochi. Que penses-tu que je vais faire avec cette idiote? Hein? Attends. Parmi toutes les princesses que nous avons, tu n'as pas trouvé mieux. Ouais? Qui est-ce qui t'ont fait ça? Pourquoi leur as-tu permis de te faire ça? Donc... Attends, non. Je n'ai pas compris. Fais-moi comprendre. Pourquoi? Qui ont permis quoi? Fais-moi comprendre. Chiro, viens. Pourquoi qui ont permis quoi? Je pensais que tu n'étais qu'un clown. Mais je confirme que tu es également un fou. Ah! Imbécile! Imbécile! Non. Es-tu malade? C'est quoi? C'est moi que tu fais quoi? À qui tu as fait ça? Es-tu malade? Comme j'allais te cogner, idiot! Non, c'est parce que j'étais appelé. Et au lieu d'être excité, à cause du privilège que j'ai eu. Et tu as commencé par m'insulter. Tu es un clown, tu es un imbécile. Es-tu malade? Que je te le donne? Le veux-tu? Regarde cet idiot. C'est moi que tu fais ça? Hein? Es-tu malade? Non. As-tu oublié que je suis le chef de la garde du royaume d'Arumwezi? C'est parce que tu es le garde numéro 1. Que tu m'as giflé. Et si tu le sais encore, je peux te donner des coups de poing. Et la tradition dit que je ne peux répliquer. Aucun problème.
Le moment vient. Que l'avenir le dira. Non. Reviens ici. Faisons-le. Non, reviens et on va le faire. Idiot. Regarde cet idiot. Oh, je parle. Et toi aussi. Et toi aussi, tu as l'audace de parler. Regardez cet idiot. Regardez. Un stupide. Un vaurien à la vie duquel je veux donner un sens. Je parle, tu vas. Non. Imbécile, idiot. Tu vois, au lieu de, parce que je t'ai appelé, je pensais que tu allais aussi jouir du privilège pour lequel je t'ai appelé. Tu as ouvert ta bouche pour me dire que tu es un cran, tu es un imbécile. Que l'imbécile te tue là-bas, idiot, animal. Regardez-moi ce garçon. Sais-tu que ça demande d'être un chef de la garde? Oh, le sais-tu? Hein? Non. Dis-moi, est-ce que membre de ta famille a jamais... jamais occupé une position élevée dans ce royaume, me disant que l'avenir le dira. L'avenir te tue là-bas. Regardez-moi cet idiot. Je penserai qu'il jurait aussi du privilège pour lequel je l'ai appelé. Il a commencé par... Idiot, imbécile. Animal. Bien, Ikenna, je t'ai appelé à cette réunion afin de résoudre quelques problèmes. Tu vois, nous sommes humains. Nous sommes faits pour commettre des erreurs. Que je crois avoir commis vraiment beaucoup. Je t'ai offensé, toi, ta mère, ainsi que ta soeur. Salut, mon prince. Bien, voilà. Tout ce que je te demande, c'est juste la paix et devenir une seule et grande famille. Je veux que la paix et l'harmonie puissent régner dans ce palais. Onochi, je n'ai rien contre toi. En fait, je suis très heureux que tu aies décidé d'embrasser la paix et me considérer comme une famille et non un ennemi. C'est bon. On a besoin d'une telle paix dans ce palais. Je t'assure que nous allons tous les deux jouer un meilleur rôle dans ce royaume. Exactement ce que je pensais. C'est pourquoi j'ai organisé cette réunion. C'est bon. Merci infiniment. Ça va. Merci. Je t'en prie. Ma reine, j'aimerais que tu te prépares très bien, car quelque chose de remarquable va se passer demain. Mon roi, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Je ne veux pas mettre la charrue avant le bœuf. Il serait mieux que tu le vois au lieu qu'on t'en parle. Au fait, où est ton fils? Il est quelque part dans la parcelle avec le prince Anoji. Faisons quoi? D'accord, voilà. Nous sommes maintenant une seule grande famille. C'est ça. Merci beaucoup. Et ça demande une célébration. Waouh. D'accord. Tu sais que je suis ton petit frère. Laisse-moi. C'est notre tradition. Je suis prêt. Allons-y. Allons-y. Voilà. Rien ne vaut mieux que la paix. Rien ne vaut mieux que la paix. Nous sommes une grande famille, heureux ensemble. Mm-hmm. Hey. Ouais, c'est ça. Oh, toi d'abord. Ok. Aha. Au nom de la paix. Oui, la paix. La paix. Vie, plus d'amour. Ok, Na. Seigneur, aide-moi. Ah ben non, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu le vin? Non, maman. Mais comment? Au moment où il voulait le faire. Aujourd'hui, j'étais venu et l'avait stoppé. Quoi? Mais comment c'est sorti? Continuez de stresser ma vie. Comment il continue de me tenir au cou? Donc, si je n'avais pas appris, tu allais voir mon sévère. Tu es mon grand frère, je ne pense que mon quelconque. Mais pourquoi es-tu si aveugle? C'est quoi ton problème? Je ne comprends pas. Je veux dire, il demande la paix. Je dois faire la paix.
nous prenions un verre sous forme de célébration, quelque chose du genre. Par ailleurs, nous buvions de la même bouteille, alors quel est le problème? Ok, là, je t'en prie. Ne sois pas stupide. De quelle paix parles-tu? Pourquoi t'as le seul? Pourquoi n'as pas invité toute la famille? Es-tu la seule personne qui l'ont vu? Ou soit ton sixième sens de ta femme qui pourrait peut-être mettre du poison dedans? Ou soit mettre du poison unique pas dans ton verre? Tu es mon aîné. C'est comme je l'avais dit tantôt. Tu dois être très prudent. Mais si tu choisis d'être naïf, c'est ton problème, pas le mien. Excuse-moi. Votre Majesté, avec ce dont nous avons discuté jusqu'ici, il est clair que la réunion d'aujourd'hui tient à sa fin. Honoré, Votre Majesté, quelque chose reste. J'ai une surprise pour vous. Mon fils. Maman. Ce qu'a dit ta sœur est vrai. Maman, je ne comprends pas pourquoi cela est un problème. Nous buvions de la même bouteille. Alors, comment est-il possible qu'il va m'empoisonner ou qu'il va essayer de m'empoisonner? Nous buvions de la même bouteille. Qui avait servi le vin? Je pourrais dire il y a de cela 2 semaines. Vraiment? Mais comment tu ne m'as pas mis au parfum? Allez, je suis désolée. J'étais à Lagos. J'étais allée à Lagos pour rencontrer mes clients. Mais je visite le village dès que j'ai le temps. Tu sais que c'est pratiquement impossible pour moi d'arriver au Nigeria sans pour autant venir te rendre visite. Je sais. Et surtout pas après avoir appris cette transformation dans ta vie. Hein? Tu parles de choses qui sont passées il y a 20 ans. Tu parles de 20 années? Ça fait déjà 30 ans. C'est là que j'avais la nouvelle de ton couronnement. Ok. Et que tu allais devenir Lolo. Ça fait déjà 30 ans. Et cela s'est passé quand j'étais revenue pour la première fois voir mon premier enfant. Il y a déjà 30 ans. Ça fait très longtemps. Très longtemps alors. Je me souviens pendant que nous parlons. Oh, merci beaucoup. Honoré, Votre Majesté. Je vous présente mon fils, Okena, l'héritier apparent du trône de ce royaume. J'aimerais que vous le confirmiez comme prince couronné de ce royaume, maintenant et tout de suite. Mais Igwe, on n'a pas discuté à ce sujet. Pourquoi ce changement soudain? C'est pour la sécurité que j'ai pris cette initiative. Je suis au courant que mon fils, Onoche, vous a rendu visite, essayant de vous convaincre pour que vous le nommiez prince couronné du royaume d'Arumuzi. C'est ainsi que j'ai décidé de vous prendre par surprise. Parce que si je continue de perdre du temps, il y aura beaucoup de combats au palais, alors c'est ce que je veux éviter. C'est pourquoi je vous ai pris par surprise. Sachant que tout ce que nous ferons aujourd'hui sera irréversible. Votre Majesté, mais Ezimo avait dit 14 jours, et nous n'en sommes qu'au 3e. Et nous sommes exactement dans le temps. Comme tu l'as dit, nous sommes le 3e jour. On peut toujours le couronner aujourd'hui. Et à présent, je ne voudrais plus aucune question venant de vous. Honoré, tel que je l'ai dit, vas-y, exécute mon instruction. Et comment va ta fille dont tu m'as parlé l'autre fois? Adézé, c'est ça? Oui. Tu m'as dit que tu l'as rejoint à Londres. Bien sûr. Comment elle va? Elle est bien, elle est jolie. Bien. Elle est ici avec moi. On était venus ensemble. Oh. Oui. Ah, c'est bien. Oui. Elle a quel âge maintenant? Ada a 20 ans maintenant. Oui. Waouh, ça veut dire qu'elle a grandi. Oui. Elle est devenue une femme complète. Waouh. Si tu l'as dit, oui. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu me l'amènes ici au palais? Je vais passer un peu de temps avec. Je veux qu'elle me tienne compagnie. Oh. C'est pour finir.
Je te connais bien. À propos, pourquoi veux-tu qu'elle vienne vivre ici au palais avec toi? Ce n'est pas pour un mauvais motif, je veux juste être avec elle. Je sais. T'inquiète, ma je te connais très bien. Tu n'échangeras jamais. Je veux juste qu'elle soit à côté de moi. Elle sera en train de combler le vide que tu as créé, mon ami. Qu'elle m'entoure de chaleur que j'ai manqué depuis. Pas de problème, je vais la faire venir au Merci. Palais. Merci. Par les pouvoirs qui m'a été conféré, comme au nom de ces royaumes, je vais te couronner. Déjà produite. Quoi? Il n'est pas digne d'être couronné comme le prince légitime de ces royaumes. Mais pourquoi ça? C'est mon fils légitime. Et le véritable héritier du trône du royaume d'Arumwese. Une grosse erreur a été commise dans le passé et doit être corrigée maintenant. Sinon, une grande calamité. De quoi parles-tu? Sa mère vient d'une lignée d'Osu. Un paria ne peut pas diriger des hommes normaux. Un autre successeur du trône des Arumwese doit être choisi. Nous avons encore 12 jours à partir d'aujourd'hui pour l'accomplir. Igwe. Je pense qu'on devrait inviter Onoche. Ces garçons mal éduqués là. Maman. Que signifie être un osu? Ils ne sont autorisés qu'à vivre près des sanctuaires ou à côté de marchés, car ils ne peuvent pas interagir avec les hommes libres. Ils ne peuvent pas donc exercer des fonctions traditionnelles. Un osu ne peut jamais épouser une femme libre. Ils ne peuvent pas adresser leur prière aux dieux. Ce sont des esclaves. Donc cela veut dire... ma mère, ma sœur et moi-même. Nous allons quitter. Parce que nous sommes des osu. Les osu sont les sujets de Dieu. Ils ne sont pas qualifiés de vivre ou d'avoir la même part d'héritage
avec ceux qui sont nés libres. Je vois. Ils ont été sacrifiés à la divinité pour apaiser les esprits. Mmh. Et ils sont considérés comme des esclaves. Oh mon Dieu! C'est ça, ma fille. C'est pourquoi ils ne sont pas permises de s'associer ou de vivre avec ceux qui sont libres pour ne parler même pas de le diriger. Oui. C'est comme pour dire qu'un Osso n'est pas qualifié en aucun cas être roi. Mm-hmm. C'est ça la tradition. Même le roi ne peut pas s'opposer à cette tradition puisqu'il est lui-même le premier conservateur de cette tradition. Je vois. Alors, maman, quel sera donc leur sort maintenant? Bien sûr qu'ils doivent quitter le palais. D'un moment à l'autre, ce n'est pas de notre faute. Pas du tout. Oh mon Dieu. Alors, Onoche sera le grand prince de ce royaume? Bien sûr. Il n'y aura plus aucune opposition, puisque la tradition est très claire. Bien sûr, maman. Tout est clair. Il pense les suds comme de l'eau. Oh maman, tu sais quoi? Mm-hmm. Les dieux ont finalement répondu à mon prière. Tu peux le dire encore. Maman, ça mérite une célébration. Alors attends-moi ici, je vais prendre le vin et le verre pour que nous puissions célébrer. Calme-toi, ma chérie, sois pas pressée. On attend ton frère, il doit faire partir de cette célébration. Ah oui. Mm-hmm. Je suis impatiente. Nous avons vaincu. Ah, oh non, tu vois-tu, viens vite. Voyons voir qui nous a encore aussi la voix. Allez, c'est bon, ma fille. Ce n'est pas la fin du monde. Nous pouvons encore nous relever. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, maman? Nous sommes sur le point de se faire expulser de ce palais et tu es en train de parler et se relever. Ces gens vont se moquer de nous. Ils vont vraiment se moquer de nous. Je vais parler au roi. Il nous aime. Il nous permettra de rester. Mais maman, cela n'est pas une bonne option. Ces gens, ils vont nous rendre la vie misérable. Maman, nous sommes des esclaves. Allez, c'est bon, princesse. Des esclaves. Ne t'inquiète pas à propos d'eux. Ils peuvent se moquer de nous, mais ils ne pourront pas changer les choses. Nous pouvons être d'une classe inférieure, mais nous sommes toujours des humains. Tout simplement parce que nous avons la chair et les sangs qui coulent dans nos veines. Maman, ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien, ça. C'est pas juste. Tu calmes, ma fille, tu calmes. C'était juste, maman. Ils ne sont autorisés qu'à vivre près des sanctuaires ou à côté de marchés, car ils ne peuvent pas interagir avec les hommes libres. Ils ne peuvent pas donc exercer des fonctions traditionnelles. Un Osso ne peut jamais épouser une femme libre. Ils ne peuvent pas adresser leur prière au Dieu pour l'intérêt de la communauté. Ce sont des esclaves. Les Osso sont les sujets de Dieu. Ils ne sont pas qualifiés de vivre ou d'avoir la même part d'héritage avec ceux qui sont nés libres. Ils ont été sacrifiés à la divinité pour apaiser les esprits. Ils sont considérés comme des esclaves. Oh mon Dieu! C'est ça, ma fille. C'est pourquoi ils ne sont pas permises de s'associer ou de vivre avec ceux qui sont nés libres pour ne parler même pas de les diriger. Ça veut dire qu'un Osso n'est qualifié en aucun cas pour être un roi. Mm-hmm. C'est ça la tradition. Même le roi ne peut pas s'opposer à cette tradition puisqu'il en est le premier conservateur. Everything has been settled. When
When I thought I'm to enjoy this throne, Bafuka what did you be done? When I thought I'm to enjoy this throne, Bafuka what did you be done? Chimo, okay, me funerim. Chimo, our tradition. O mere mi fe, our tradition. No more, more our tradition. J'ai très mal dans mon cœur. La reine est une très bonne personne. Elle ne mérite pas cette humiliation, pas du tout. C'est ce que je disais. Il serait mieux que le puisse vivre des choses au lieu que la reine puisse le vivre. Même le roi s'oppose à la tradition pour leur permettre de rester au palais. La deuxième de l'eau et ses enfants sont tellement insupportables. C'est ça mon problème. Mais attends, alors pourquoi est-ce que la reine avait épousé cette femme de cette façon? Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Je suis confuse. Je ne l'aime même pas. Notre reine mère mérite le mieux. Tout ça c'est à cause du roi. Il devait faire attention avec qui il voulait se marier. Votre Majesté, le garde a dit que l'objectif de cette réunion était très important. Voilà pourquoi nous l'avons suivi immédiatement. Exactement. Je suis un homme au milieu de deux mondes. La flamme du feu qui attend à se transformer en une explosion le plus tôt possible. Et un océan profond dans lequel le requin et crocodile ne font que attendre que j'y plonge pour qu'il me dévore. Je suis dans un dilemme. Votre Majesté, nous ne pouvons dire que nous ne savons ce que vous ressentez. Mener une enquête est une solution pour le tabou qui vient d'être commis. Très bien alors. Je donne à vous deux la mission d'aller au royaume d'Akolo. Allez-y et posez des questions. Cherchez l'homme le plus vieux de cette terre et découvrez de sa bouche la vraie origine de la famille de ma première femme. Et ça, c'est le premier pas. Votre Majesté, vos souhaits sont des ordres. Nous ferons exactement comme vous l'avez instruit. Alors, dépêchez-vous. Hé, toi, arrête là-bas. Okena, pourquoi portes-tu encore des vêtements royaux? Ta mère ne t'a pas fait comprendre que tu devrais être dans la brousse vivant avec des animaux au lieu d'être dans le palais? Onochi, pourquoi ne me laisses-tu pas avoir la paix? Parce qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Alors que ta mère savait que tu es un Osu, vous vous êtes quand même entêté pour diriger ce royaume. Alors que nous avons un homme libre, un vrai natif de ce royaume, alors il n'y a aucune paix. Je ne les savais pas, je ne les jamais. On ferme ta bouche avant que je la ferme pour toi, rusée de femme. Envoyée du diable. Tu veux infliger la calamité dans notre royaume? Pourquoi vous continuez à rester dans le palais? Hein? N'est-ce pas que vous n'avez plus de place ici? Que fais-tu ici? Mon mari, le roi, ne m'a rien dit à propos. Ferme ta bouche! Tu attends qu'on te dise tout, tu ne sais pas tourner ton cerveau. Tu es une femme Igbo et tu ne connais bien la tradition Igbo. Tu es une Osu, tu es bien une paria. Tu dois le mettre dans ta tête et tu n'es pas permis de t'associer au nez libre comme nous. Hein? Tout le temps que tu as passé dans ces palais est un tabou. Nous sommes tous obligés de passer à une purification. Nous devons passer un à un la purification pour nous sanctifier de tes impuretés.
Je te donne cette soirée pour partir de ces palais. Sinon, je vais te jeter à la rue, toi et tous tes enfants idiotes. Osso, Osso, une paria, c'est ce que tu es. Rentre d'où tu appartiens. Ton domicile est au sanctuaire, stupide. Possédant toutes les qualités et confirmé comme digne pour la position du prince légitime de ce grand royaume, je suis là devant le trône de faire mon devoir comme étant au nom de ce royaume. Par les pouvoirs qui m'a été conféré comme au nom de ce royaume, je suis là pour te couronner aujourd'hui comme le Emenike. Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est quoi tout ceci? Hein? Pourquoi ce palais est rempli de hommes méchants et de la sorcellerie? Quel est le problème? Je ne sais pas de quoi tu parles maintenant. Mais le roi veut te voir maintenant. Sois idiot, que le tonnerre te foudroie! Je te punis là. Où est-ce que tu vas? Hey, reviens, hey, reviens ici. Si tu t'en vas, tu es déjà mort. Hey, non, non, toi, dis-moi qui es-tu. Hey, qui es-tu? Parle-moi, non, hein? Qu'est-ce que je t'ai fait? Hein? La dernière fois, je dormais là-bas. Tu ne sais pas ce que je vivais dans l'autre monde. Le démon t'avait appelé. Tu as répondu. Et tu étais venu me réveiller. Et je me suis dit non, je dois aller quelque part pour me cacher, parce que je sais que j'aurai certainement des rêves. Hein? Et j'ai décidé de me coucher doucement ici. Et le rêve était venu. Et le démon t'a encore appelé, et tu t'es mis à sa disposition. Es-tu un démon ou quoi? Chut, qui es-tu? Hein? Et tu es venu pour me réveiller? Si tu ne quittes pas ici maintenant, tu es imbécile. Aïe, Dieu. C'est quoi ceci? Pourquoi ne me laisserait-il pas jouir des choses, des bonnes choses qui m'arrivent? Hein? Du moins, il devrait attendre jusqu'à ce qu'Onoo me couronne avant d'envoyer ce démon de venir me réveiller. Hein? C'est vrai, ouais, je sais que c'est un rêve, mais le rêve décrit l'avenir. Hein? J'étais sur le point de l'apporter. L'autre fois, j'étais sur le point de recevoir le baiser. Et ce démon était venu me réveiller. Au point d'être couronné, il est encore venu, je le tuerai. Hé! Votre Majesté. Mazikano. Depuis que vous êtes rentré du royaume d'Akolo, vous n'avez dit rien du tout. Et vous n'avez rien fait du tout. Et tout ce que vous avez fait, c'est vous tenir les mains. Est-ce que vous n'avez pas trouvé quelqu'un à qui poser de questions? Votre Majesté, nous avons vu des gens et nous leur avons demandé. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Votre Majesté,
C'était un grand choc lorsque nous avions rencontré l'homme le plus âgé du village d'Akolo. Et il l'a confirmé. D'ailleurs, eux tous l'ont confirmé. Ils ont dit qu'ils attendaient que ce jour arrive. Le vieillard avait dit qu'il aurait remis en cause le pouvoir de nos dieux si nous n'étions pas venus. On doit se rappeler d'un homme pour quelque chose. Que les gens se rappellent de moi pour m'être battu contre cette vilaine tradition. Puisque tel est le cas, que la punition se suive. Sa Majesté, tu es toujours là? Qu'est-ce qui te trouble encore? Oh, c'est parce que la reine, ta deuxième femme, est Inosu? Et que son fils ne sera pas assiégé sur ton trône lorsque tu ne seras plus, ça ne devait pas te déranger. Moi, ta première femme, je suis là. Je t'ai donné 3 enfants libres. Et j'ai un fils qui peut te remplacer valablement au trône quand tu vas t'endormir avec ton père. Cette histoire d'Osu ne peut pas te déranger, mais Osu reste un Osu. Rien ne peut le changer. Hein? Domicile, soit au sanctuaire. Ce n'est pas aussi quelque chose. J'essaie de te faire comprendre pour que tu arrêtes de te déranger. Tu n'as pas à t'en faire. Sérieusement. C'est ça la tradition, mon fils. Et je vais me battre contre elle, même si j'en suis le garant. Ah, père. Tu ne vois pas que cela va attirer des critiques de la part des gens? Les critiques ne datent pas de nos jours. Tout ce que je sais est que je m'en fous de ce que les gens disent. Toi, ta mère et ta sœur n'allez pas quitter ce palais. Et pour ton information, tu me succéderas au trône d'Arumwese. Et ça, c'est une promesse que j'ai l'intention de garder. Je me détends moi-même dans la maison de mon père. Ada Eze du royaume, Taro Umweze. Qu'est-ce que tu veux, Adana? Tu es stupide. Comment oses-tu parler à Léandro de la sorte? Je veux que tu puisses t'excuser maintenant. Laisse-moi connaître avec toi. Si tu as besoin des excuses, il faudra attendre toute une éternité parce que je ne suis pas prête de le faire. Oh, regarde-toi, une esclave royale. Parlons avec tout le courage. Peu importe, je sais déjà d'où tu proviens. Bien sûr que toi et ta famille devez quitter ce palais après 6h du temps. Ou vous allez vous battre avec moi. Quoi? La société peut faire de moi une personne de classe inférieure, mais je tiens vraiment à te dire ceci. Ma belle, figure-toi que je suis 5 fois meilleure que la femme que tu crois être. Tu ne peux pas fermer cette statue, ce que tu appelles mouche. Je dirai toujours ce que je veux, quand je le veux et où je le veux. Oh, vous devez juste prendre vos affaires et sortir. Oh, tu n'importe quoi. Je suis
désolée de vous avoir créé beaucoup de problèmes. Je tenais à vous présenter mes sincères excuses. J'aurais dû vérifier mes vraies origines avant d'accepter de me marier au roi. Pardonnez-moi votre majesté, je vous en prie. Arrête de te blâmer pour quelque chose que tu ignorais. Tu ne savais pas. De ce fait, tu ne peux pas être blâmé pour ça. Tu y es pardonné. Merci, votre majesté. Mes enfants et moi allons quitter le palais cet après-midi. Vous n'irez nulle part. Vous allez vivre dans ce palais pour toujours. Et ton fils va me succéder comme le prochain roi du royaume d'Arumwese. Que la tradition le veille ou non. J'espère que le roi ne va pas le chasser de ses palais. Ils vont me manquer. Ils sont très gentils. Je ressens la même chose. Je ne veux pas seulement que mon frère devienne le futur roi de ses royaumes. Pourquoi? Je veux dire, tout le monde serait ravi de voir son grand frère devenir le roi. Alors, pourquoi c'est pas le cas pour toi? Prince Oken est également mon frère. Le fait que nous sommes venus d'un seul homme fait de nous un. Prince Anoche est tellement violent. Il ne peut pas devenir roi. Prince Okena a beaucoup de qualités d'un leader. Tu as raison. Votre Majesté, vous êtes le roi, le protecteur et le gardien de la culture et des traditions d'Arumwese. Même si tout le monde ne respecte pas la tradition, vous devez être une exception. Je garde toujours ma position. Vous n'irez nulle part. Sache que c'est toi qui m'as donné le premier fils. Et il va me succéder comme prochain roi du royaume d'Arumwese. Que la tradition le soutienne ou pas, et même si les dieux sont contre cela, cela sera ainsi. Votre Majesté. Assez. Va faire autre chose, je veux rester seul. Merci, Votre Majesté. Donc, après tous mes avertissements, tu continues toujours de l'approcher, toi, vicieuse de fille. Hein? Tu te fous de moi? Pas de problème. Je ne vais pas te tuer. Puisque tu n'es rien, ta vie n'a rien de bon, tu es une misérable. Si dans les 10 minutes qui suivent, je te vois encore autour de ces palais, tu vas regretter pour avoir mis tes deux sales pieds dans cet endroit. Je vous en prie, Lolo. Pitié. Écoute. Non, maman. Tu ne peux pas la virer. Elle n'a rien fait de mal pour mériter une telle méchanceté venant de toi. Et qui es-tu pour questionner mes ordres? Hein? Ta petite souris? Père, j'ai appris ce qui s'est passé hier. Que tu as dit aux anciens de ne pas m'inviter pour devenir ton successeur. Parce que c'est moi le roi. Et quoi que je dise, s'exécute. Père, pourquoi es-tu si méchant envers ma mère et moi? Qu'avons-nous fait que tu ne peux oublier et pardonner?
Comment est-ce qu'un père peut haïr son fils jusqu'à ce point? C'est de la méchanceté. Petite rectification, mon fils. Je ne hais personne. Je ne veux que le bonheur du royaume. Et la fin de tout ça sera bénéfique pour toi aussi. Père, je veux en finir avec tout ça. En finir une fois pour toutes. Quand est-ce que tu vas m'annoncer comme ton successeur? Mère, je peux voir que mon bonheur ne t'intéresse pas. Tu détestes les gens qui appartiennent à la classe qui était la tienne l'autre fois. Si quelqu'un aurait interdit papa à t'épouser, comment te serais-tu senti? Cette bouteille contient un poison très dangereux qui peut tuer dans une seconde. Si tu ne revois pas ta décision, je vais les boire. C'est quoi ça? N'ose même pas venir près de moi. Mon prince. N'ose pas. Je vous en prie. Non, Ogoma. Reste en dehors de ça. Okay. Reste en dehors de ça. Ok, c'est bon. Je les révoque.